de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région. Marie Garcin-Zeiter, quelles seraient les recommandations que vous feriez aux offices de tourisme qui souhaitent développer un espace boutique ? Alors moi, je recommande à tous les offices de tourisme qui veulent réagencer leur boutique ou qui ont la chance de pouvoir avoir de nouveaux locaux, de prévoir un espace suffisamment grand avec du mobilier bas et puis une possibilité de stockage aussi dans la partie basse des mobiliers. Des allées qui permettent le passage des fauteuils roulants ou des poussettes, avoir des produits à une distance relativement basse pour que tout le monde puisse accéder, les toucher et s'en saisir. Et après, en gamme de prix, nous avons des articles, ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont les articles à moins de 10 euros. Donc, sauf en période de Noël où les gens ont un budget spécifique dédié. Et dans notre boutique aux Étoffes, qui est un espace de l'office de tourisme sur le marché Noël, qui est très important pour nous. Sinon, voilà, c'est des petits prix, des articles à moins de 10 euros. Quels sont les produits phares de votre boutique ? Alors, les produits phares, ceux qui fonctionnent le mieux, ce sont avant tout les cartes postales, également les bières et puis les produits textiles, puisque nous avons toute une gamme de produits locaux fabriqués en Alsace. Donc c'est vrai que globalement, ce sont les produits locaux, les produits alsaciens ou à minima les produits français qui fonctionnent le mieux. C'est ce que recherchent les gens, ils recherchent la qualité, malgré tout avec un petit prix. Quels sont d'après vous les écueils à éviter ? Alors comme on parlait de produits made in France, les produits à éviter ce sont les produits asiatiques. Et puis faire confiance aussi aux commerciaux qui savent les produits qui fonctionnent. Et puis, éviter de se faire plaisir à soi, c'est pas forcément, nos goûts ne sont pas forcément ceux des clients. Donc, bien étudier les goûts de la clientèle avant de se lancer dans une nouvelle gamme de produits. Toujours tester avant avec un ou deux articles pour voir si ça marche avant de commander en grande quantité pour éviter de stocker beaucoup d'articles et puis renouveler régulièrement des articles de saison, des articles en lien avec la thématique du moment, par exemple la thématique de Noël. Merci.